après, elle a conscience des dégâts qu'elle est en train de faire. Donc, la mettre devant ses responsabilités. Et puis, les conséquences que les actes qu'il pose ou qu'elle pose sont en train de produire au sein même de la cellule familiale déjà. Et si en dépit de cette démarche, il n'y a pas de changement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, vu qu'il n'y a pas de structure pour l'instant? En fait, je ne sais pas si vous avez pris le temps de vérifier. Voilà, je n'en connais pas vraiment. Je sais que pour un certain type de jeu, il y a la possibilité d'aller s'inscrire soi-même, comme encore on en revient à l'auto-discipline, de s'inscrire soi-même pour dire, bon, quand j'atteins tel quota, ne m'acceptez plus dans votre établissement. Ah d'accord, oui, ça se fait. Voilà, ça se fait. Mais ce n'est pas pour tous les jeux. Voilà. Et ce serait intéressant, justement, c'est pour ça, c'est à ce niveau-là que j'interpelle un peu l'État et puis les industriels concernés par ces jeux-là, de pouvoir réguler un peu en disant que peut-être une personne qui arrive ou bien qui a atteint tel quota au bout de 3 ou 4 échecs n'a plus droit à miser à nouveau. Donc, ça peut emmener une certaine discipline. Est-ce que vous suggérez, je vais vous amener à dire quelque chose, est-ce que vous suggérez, par exemple, que ces personnes concernées, ces personnes dont vous parlez, qui sont dans l'industrie des jeux, tout comme pour les pubs d'alcool, où on dit, par exemple, abus dangereux pour la santé, est-ce qu'il serait, par exemple, intéressant de dire abus dangereux ou utilisation dangereuse pour l'équilibre? Bon, quelque chose dans le genre, trouver une formule qui va après maintenant permettre de faire découler un certain des mesures d'accompagnement. D'accord. Voilà, parce que je veux dire aujourd'hui c'est tellement libre que moi par exemple je ne pourrais même pas aller dans un centre de jeu par exemple pour aller dire ça suffit, faut plus que mon époux participe au jeu, voilà. Donc, c'est parce que c'est encore très, très, très libre. Et puis, il n'y a pas, c'est pas encore régulé, il n'y a pas d'âge, tout le monde peut jouer. Voilà, ce sont des habitudes aussi. Quand on les commence très tôt, on reste dedans et puis on vieillit avec. Et puis, bon, les conséquences commencent aussi beaucoup plus tôt. Donc, mis à part les convictions religieuses, il n'y a pas de mal à cela. Tant que ça a un caractère récréatif, voilà, on peut s'y adonner, voilà. Mais quand ça devient une addiction, tout de suite, il faut pouvoir trouver des solutions. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, comme je dis, on est toujours très enclin, ça c'est un constat général que je fais, l'Afrique est toujours très enclin à copier, mais pas souvent avec la mesure. Voilà, pas souvent avec la mesure, tout ce qui nous vient d'ailleurs. C'est pas mal en soi, mais je veux dire, en toute chose, il faut savoir faire la part un peu. Il faut pouvoir faire la part des choses et puis s'autodiscipliner dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on essaye de reproduire chez nous. Donc, prendre en même temps qu'on importe, prendre en même temps les mesures correctives ou bien les garde-fous qui nous permettent de rester quand même assez sobre dans tout ce qu'on fait. En toute chose, l'excès nuit. Donc, bien sûr, voilà, tout en toute chose, nuit. L'excès nuit. Alors, donc, quand ça prend, comme vous l'avez dit, des propensions très graves, est-ce qu'il ne faudrait pas faire intervenir un psychologue? Mais si, je veux dire, c'est pour ça que je parlais un peu de créer des centres un peu comme chez les alcooliques anonymes, ou bien vraiment ceux qui sont accros à certaines substances beaucoup plus dangereuses. Mais c'est important d'accompagner. Mais qu'est-ce qui se passerait dans ces centres? Ben, de façon anonyme, je veux dire que celui qui a... Il y en a qui prennent conscience, mais qui n'arrivent pas à arrêter d'eux-mêmes. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement psychologique. Ils ont besoin de toute une structure psychanalyste, psychologue, machin, pour pouvoir les aider. Ils sont mieux outillés parce que l'être humain, c'est un être qui est très complexe. De lui-même, il peut avoir la volonté, mais il peut flancher beaucoup, assez rapidement. Donc, il a besoin vraiment d'un accompagnateur, il a besoin vraiment de quelqu'un à qui exposer quand peut-être ses pulsions reviennent. Et ça, c'est important pour pouvoir justement freiner ou bien inhiber carrément cette addiction, En dehors des psychologues et autres, où est-ce que l'individu peut se diriger? Bon,
Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de centre, mais vous pouvez avoir des centres d'écoute, vous pouvez avoir des structures. Bon, nous, je ne prétends pas pouvoir régler le problème à 100%, mais ensemble, on peut identifier qu'est-ce qui nous a mené à ça, et puis identifier un peu les éléments, les facteurs qui nous bloquent. Et puis maintenant, capitaliser sur ces facteurs qui nous bloquent, qui nous empêchent de jouer. Il y a toujours dans notre conscience un élément qui nous dit, écoute, là, ça suffit. Voilà. Donc, il ne faut pas... Le problème, c'est que c'est quand c'est trop tard. Ça pourrait être la religion aussi. Ça peut être la religion, surtout. Ça peut être la religion. Ça peut être également, comment je vais dire, quand on mesure un peu les dégâts qu'on est en train de faire à notre famille, on peut, voilà, je veux dire, tous ces éléments, ou bien à soi-même, voilà, cette autocritique de soi-même, regarde comment je suis devenue, ou bien regardez un peu où vous êtes en train d'arriver. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais voilà, c'est à ce niveau-là que vous pourrez finir. Donc, c'est un peu une prise de conscience. On pourrait les aider à prendre conscience un peu de tous ces éléments-là et puis essayer de se ressaisir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Christelle Yédreau. Je rappelle que vous êtes conférencière. Avec vous, nous parlons de l'impact des jeux de hasard sur notre équilibre. Et nous sommes au terme de notre entretien. Quel serait votre mot de fin? Le mot de fin, ben, c'est vraiment encourager tout un chacun à se distraire, mais en sachant faire la part des choses. Et puis, parce qu'on a besoin d'évacuer, on travaille beaucoup, on est beaucoup stressé, on a besoin de se libérer, mais il ne faudrait pas également que cette liberté qu'on s'accorde puisse nous conduire à notre perte non plus. Donc, tout ça dans la discipline et puis dans quand même la sérénité et également dans la conviction que cette étape-là est importante pour notre développement. D'accord. Voilà. Merci encore à vous. Merci. Christelle Yédreau, je rappelle, conférencière, décoratrice, ingénieure marketing. Le sujet du jour, c'était l'impact des jeux de hasard sur notre équilibre. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous n'avons rien contre les industries, mais nous sommes plutôt préoccupés par l'homme, par l'équilibre de l'homme et par tout ce qui l'entoure. On se retrouvera dans quelques instants, ça sera juste après cette belle vidéo du révérend Camara. Et puis encore, merci et on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, Caroline. Jésus, la solution de ce monde, il est le roi des rois. Mon Dieu, la solution. Jésus est mon roi. Jésus est la solution de ce monde. Il est le roi des rois. Mon Dieu, la solution de ce monde. Jésus est mon roi. Jésus est la solution, solution. Jésus est la solution, solution. Pour mon travail, Jésus est mon roi. Jésus est la solution pour ma santé, il est le roi des rois. Jésus est la solution, 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 solution. Jésus est la solution, 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 solution. Confiance à un homme. Place ta confiance à l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Apprends ma solution. Isaac a solution. Jacob a solution. Solution. No, 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 no.
t'inquiéter, papa chef. Nous sommes de retour sur le plateau de Midi chez nous. Eh bien, nous parlions avec Madame Christelle Yédreux de l'impact des jeux de hasard sur l'équilibre. Et nous avons omis de remettre le contact de Yédreux, 08 25 79 38. 08 25 79 38. Eh bien, le générique a annoncé que nos invités de quart d'heure culturel sont présents. Monsieur Soro Benjamin, responsable projet, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Et sur ma droite, monsieur Mohamed Dazlor, réalisateur, bonjour. Bonjour Caroline. Un ancien de la RTI, donc il n'est pas du tout étranger à cette maison, n'est-ce pas? Et j'en profite pour donner un big up à Kone Sirikisil, qui m'a formé, qui m'a donné toutes les bases en fait dans l'audiovisuel. Un big up à Kone Sirikisil et un bon certainement à M. Tano qui est là-haut, réalisateur tout aussi. Tout à fait. D'accord. Alors, avec vous, on va parler du film Réseau. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait intéressant qu'on puisse connaître, je veux dire, vos différentes activités. Vous, par exemple, vous êtes chef de projet. Quand on dit chef de projet dans un film, dans la réalisation d'un film, qu'est-ce que c'est? En réalité, dans le cadre de ce film, le terme chef de projet est un peu particulier parce qu'en fait, je suis chargé de programme dans une organisation, une ONG qui intervient dans le domaine du VIH. Ah, d'accord. Et donc, c'est, le film est un programme, est une activité de nos programmes. D'accord. Et c'est en ce sens-là que je suis détaché de la production pour être le responsable du projet. Et qu'est-ce qui vous a valu cela, à votre avis? Non, parce que je crois que c'est parce que je suis sur le programme lui-même. Voilà, donc j'ai été choisi pour conduire ce projet-là. Et en tant que chef de projet, qu'avez-vous fait exactement? Oui, en tant que chef de projet, je suis l'interface entre le réalisateur qui est Mohamed Dazlor et notre organisation qui est le Centre des programmes de communication de l'Université de Johns Hopkins. Et donc, je fais l'interface entre ces deux structures pour la validation de tout ce qui est fait et puis le suivi même de tout le tournage, puis pouvoir, puisque ce n'est pas un film, je vais dire, ce n'est pas un film artistique comme ça, c'est un film éducatif. Donc il y a certains éléments qu'il faut respecter et donc je veille à ce que ces éléments-là... Est-ce que ça a été difficile? C'était la première expérience, c'était difficile? Oui, c'était la première expérience pour moi. Oui. C'est pas trop difficile parce que le courant passait facilement entre le réalisateur et moi-même, et puis aussi avec les acteurs qui en tout cas ils étaient bien. D'accord. Donc c'était pas si difficile que ça, mais c'est vrai que c'était passionnant au contraire. Voilà. D'accord, on reviendra à vous. Ouais. Alors vous, du côté de la réalisation, monsieur Dazlor, comment ça s'est passé? Vous étiez dans votre univers, vous étiez dans votre milieu, parce que vous faites ce métier depuis plusieurs années. C'est vrai, mais il faut dire que travailler avec Johns Hopkins University, qui est représenté ici par M. Soro, c'est chaque fois un renouvellement. Nous avons eu l'occasion de travailler sur d'autres projets, notamment sur des projets documentaires. D'accord. Et c'était la première grosse expérience en matière de fiction. Et quand on travaille avec JHU, Johns Hopkins, il faut y arriver avec beaucoup de modestie, parce que c'est vrai que nous arrivons avec le côté technique et artistique,
mais eux, ils arrivent avec le côté scientifique. Mm-hmm. C'est un film qui est basé sur des études. C'est donc un film qui devait suivre certaines étapes. Donc, c'est vrai que je suis le réalisateur, mais il faut dire qu'il y a une synergie, en fait, entre l'équipe de John Hopkins et nous, depuis le début du projet, depuis l'écriture du scénario, qui a été validé. De toute façon, M. Dasdor, on y reviendra. Je sens que vous êtes très pressé de parler du film, de ce chef-d'œuvre, mais on y reviendra. Ce que je souhaiterais, pendant que nous y sommes et nous sommes dans cette tribune, il serait bien intéressant qu'on puisse connaître aujourd'hui le rôle du réalisateur. Qu'est-ce que le réalisateur fait exactement? Que ce soit dans la production d'une émission télé ou que ce soit encore dans la production d'un film. Il faut dire qu'il faut déjà différencier les genres, d'accord, qu'on soit en documentaire ou en fiction, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Qu'on soit sur un magazine télé, c'est pas la même chose. C'est pas la même responsabilité. Et qu'est-ce qui différencie un film documentaire d'un film institutionnel et d'un film éducatif ou artistique, comme il a si bien mentionné? Bon, disons que l'institutionnel s'inscrit dans le documentaire et dans la fiction. D'accord. La différence qu'on peut faire tout de suite, c'est la différence entre le documentaire et la fiction. Le documentaire, c'est un rendu du concret. C'est une caméra qui est immergée dans un environnement réel, avec des personnages qui ne jouent pas un rôle, mais qui jouent leur vie. Tout à fait. À la différence de la fiction, où il y a une histoire qui est écrite, et où qui il y a un casting. Qui n'est pas forcément basé sur des faits réels. Si, dans le cas de Réseau, c'est basé sur des faits réels, puisque c'est quand même basé sur des études qui ont eu lieu. D'accord. Donc, autant les personnages que les environnements ont été déterminés dans le cadre d'un atelier. Donc, c'est vraiment pas laissé au hasard. Ça, c'est sous contrôle. Donc, c'est un peu la grosse différence qu'il y a entre le documentaire et la fiction. Alors, on va maintenant entamer la partie du film. Je sens les visages qui changent. Alors, comment ça s'est passé? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous, on vous comprend, vous travaillez déjà dans un programme qui lutte contre le VIH-Sida. Oui. Et aujourd'hui, on sait tous la gravité de la chose. On sait que la Côte d'Ivoire est, par exemple, le premier pays en Afrique de l'Ouest, est classé premier. Donc, il y a beaucoup de motivation, mais en dehors de cela, je veux dire, il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur le terrain. Tout à fait. Mais jusqu'à aller produire un film, vous avez certainement d'autres motivations. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire en matière de prévalence se classe en première position au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est bien dommage. Oui, très dommage d'ailleurs. Et donc, pour apporter une réponse à ce fléau-là, il y a une synergie d'action de différents acteurs. Et c'est coordonné par le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida. Mm-hmm. Et donc, parmi ces acteurs, notre structure John Hopkins figure parmi ces acteurs-là. Donc, et chaque acteur a parfois son créneau, sa cible, et en fonction des programmes aussi, les cibles sont définies. Mm-hmm. Et donc, dans le cadre de ce projet, la cible était les adultes en couple, à partir de 35, voire jusqu'à 59 ans, 60 ans. Mm-hmm. Et comme je le disais tantôt... C'est fait à dessein? Oui, c'est fait à dessein parce que le VIH, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes de contamination qu'on connaît, mais le mode de contamination le plus courant dans notre pays, c'est la voie sexuelle. Et donc, pourquoi vous avez fait des études qui vous ont montré cela? Oui, il y a des études qui sont faites dans ce sens. Il y a l'EDS, qui est une étude qui est faite par le ministère de la Santé. Et il y a d'autres études qui ont montré qu'effectivement, c'est la voie sexuelle qui était la voie de contamination la plus courante en Côte d'Ivoire. Donc, il fallait attaquer ce problème.
Et comme c'est des adultes, généralement, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont aisés, c'est des gens qui sont donc la journée au bureau. C'est pas facile de les avoir dans des activités communautaires comme on pourrait le faire si c'était le cas d'élèves ou de jeunes. On peut les trouver soit à l'école, on peut les trouver en vacances, en congé, ou au cours d'un concert, ou quelque chose comme ça. C'est souvent un peu relativement facile de toucher les jeunes. Mais les adultes de cette tranche d'âge que dont je viens de parler, c'est pas toujours évident. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen qui puisse les toucher, et on a pensé donc à cette approche qui est l'éducation par le divertissement. Et surtout qu'une récente étude aussi que nous avions conduite nous a montré que 80% des adultes suivent la télévision. Donc on s'est rendu compte que la télévision était donc un canal puissant pour pouvoir toucher ces gens. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il faut faire un débat ou est-ce qu'il faut faire un documentaire? C'est des choses qui sont déjà vues, donc on a décidé de faire une série. Une série qui allait donc parler de comportements sexuels à risque, mais plutôt inviter les gens à se rendre compte. Mais vous savez que des séries dans ce genre, on en a déjà eu. Est-ce que vous aviez eu des échos par rapport au changement de comportement? Parce qu'on a eu Sida dans la cité qui a été diffusé et rediffusé sur RTI 1. C'est vrai que la télévision est un moyen puissant de sensibilisation et même le cinéma aussi. Alors là, vous décidez de le faire, et est-ce que vous avez la certitude que les mentalités vont changer? Que vos objectifs seront atteints. C'est ce que nous espérons. pour revenir un peu sur la nécessité de cette série, je dirais que, à la différence de ce qui a été fait auparavant, nous, notre série, quand vous la regardez, c'est vrai qu'on parle un peu de VIH, mais on ne parle pas de ça exclusivement. On ne ferait pas pour dire le VIH, ça tue ou ça montre, ça transforme. Donc c'est quoi la trame? La trame, c'est juste pour montrer aux gens que dans notre vie de tous les jours, on fait souvent des choses qui nous exposent. Ou qui paraissent normales. Oui, et qui nous exposent donc au risque d'être infecté par le VIH. Parce que très souvent, les gens ne se rendent pas compte. Bon, je prends un exemple. Je suis avec X aujourd'hui, et nous sommes connus il y a peut-être 3 mois. Et après trois mois donc, nous estimons que nous nous connaissons, la confiance s'installe. Sans faire de test, ça. Oui, la confiance s'installe.